أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، on va se rappeler ensemble d'un moment qui est extraordinaire. Et ayant eu la chance juste il y a quelques jours de faire la Umrah, alhamdoulilah, et d'être à la Mecque, j'ai pu partir à l'endroit du verset dont je vais vous parler. Sur Jabal al-Nur, dans la grotte de Hira, qui est « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq ». Ce qui signifie « Iqra », le premier verset qui a été révélé, « lis, médite, apprends et applique et comprends au nom, par le nom, pour le nom de ton Seigneur, Rab, vous vous rappelez dans la Fatiha quand je vous ai expliqué le créateur, le possesseur, celui qui donne la subsistance et qui fait la prédestination. Voilà toutes les dimensions. Au nom, par le nom et pour le nom de ton Seigneur. Et qui est-il? Il est celui qui a créé. Plusieurs éléments importants dans ce verset. Allah Azza wa Jalla a posé dès le début les lignes de ce que nous sommes. Il nous ordonne. Iqra, c'est de l'impératif. L'impératif, c'est l'ordre. Et quand tu reçois un ordre d'au-dessus de toi, tu as l'obligation de faire et d'accomplir cet ordre. À travers le premier verset, Allah Azza wa Jalla nous enseigne la soumission, simplement par le temps qu'il a utilisé, qui est l'impératif. De même, l'impératif ici, il va se renouveler à chaque fois qu'on va le lire. Et on aura l'occasion, à chaque fois qu'on lira ce verset, de renouveler notre intention. Iqra. La connaissance. Mais pas simplement la connaissance que je vais prendre et que je vais mettre sur mon dos et que je vais porter. Comme si on reprend l'image coranique d'un âne qui porterait des livres. Une connaissance qui va donner naissance à des actes, à une spiritualité. Une connaissance comprise. Et c'est pour ça que le terme « qara'a yaqra'u » ne signifie pas simplement « lit ». Alors je comprends que les traducteurs mettent « lit », mais on ne peut pas mettre non plus 100 000 choses dans une traduction. Mais là, on va prendre un petit peu le temps de s'attarder sur ce verbe. Iqra signifie lire, signifie réciter, c'est pas fini, signifie contempler, signifie comprendre et signifie aussi réciter. Toutes ces choses-là à travers un verbe. Et c'est cette relation qu'on doit avoir avec le Coran dans nos vies. Mais pour qui est-ce que tu vas lire ce Coran? Pour qui est-ce que tu vas méditer? Pour toi, pour ton âme, pour te sentir bien? Aujourd'hui, on a beaucoup de « oui, non, je cherche un équilibre à travers une spiritualité ». Oublie-toi, ce n'est pas toi qui est important, c'est ton Seigneur qui est important. Efface ton âme de l'équation. Tu ne pries pas pour te sentir bien. Tu ne te tournes pas vers Allah pour te sentir bien. Tu te tournes vers Allah par soumission. « Ya Rab, accepte de moi ». Tant qu'on mettra notre bien-être au centre de la valeur de nos adorations, on sera dans une illusion. Le centre de nos adorations, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Si tu arrives à t'effacer, tu as gagné. Si tu ne t'effaces pas, tu risques de tout faire tourner autour de toi. Et tes adorations risquent d'être plus dirigées vers toi-même que vers notre Seigneur, qu'Allah nous préserve. Bismi Rabbika. Dans quel sens tu vas faire tout ça? Pour Allah, pas pour toi. Par Allah et pas par ta propre âme. Pas par ta simple propre intelligence, parce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme trésor, à travers le Qur'an et le Karim et tous les enseignements, mais aussi à travers l'application de ces enseignements dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour Allah, et c'est lui que tu vises. Rabbika, le créateur de toutes choses, le possesseur de toutes choses, celui qui donne et qui fait la prédestination. Regarde, dans ce verset, on est comme enveloppé, englobé, comme s'il faisait extrêmement froid, le froid du polythéisme, le froid de l'égarement, et qu'on avait d'un seul coup une grosse couverture extrêmement, extrêmement chaude qui vient nous envelopper et qui nous montre la voie à suivre. « Alladhi khalaq ». Et Allah, il finit ce verset par « khalaq », le verbe « khalaqa », créer.
ça revient au nom Al-Khaliq. Tu as vu, ça reprend ce qu'il y avait dans Rab. Pourquoi ? Si je me souviens qu'il est mon créateur, je lui serai reconnaissant. Je l'aimerai et je l'adorerai. C'est bon ? Qu'Allah fasse de nous des adorateurs et des adoratrices reconnaissants à notre Seigneur, Ya Rabbal Alamin. Nas'alullaha Azza wa Jal an yubarik fi ilmina jami'an Ya Rabbal Alamin. Hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.